Christophe, bonjour. Bonjour. Ah, toujours en compagnie des maîtres restaurateurs aujourd'hui. Ben oui, parce que c'est un de plus. Voilà, c'est l'occasion aussi aux Épicuriales de parler justement de la qualité des produits frais. Et ça, vous êtes un spécialiste aussi. Alors, on essaye de promouvoir les produits frais, les produits de la région. On essaye aussi de mettre en avant tous les producteurs qui font bien leur métier dans notre région, la viande, des petits maraîchers, des petits gens qui font des petites personnes qui nous font des fromages de chèvre magnifiques. Mmh. Donc tout ça, ça fait des années qu'on le fait. Ce titre nous aide. Ouais. Hein, enfin, l'État a compris qu'il y avait plusieurs restaurateurs, des gens qui trichaient pas, et nous on triche pas, et des gens qui trichent. Alors les gens qui trichent, c'est aussi des restaurateurs. Ils vous amusent, mais nous on vous amuse pas, on triche pas, on est vrai. Voilà. Alors on va pas manger mieux peut-être chez nous qu'ailleurs, mais nous on triche pas. Ouais. Donc ça c'était quand même important. Ouais. Et puis après ce titre de maître restaurateur nous permet de développer du savoir pour nos jeunes, parce que la formation elle se fait sur le terrain. Nos écoles hôtelières ont démissionné, bah, nous on reprend le flambeau. Alors c'est pas facile, comme je dis toujours, chez nous les jeunes, on pleure ensemble, on crie ensemble et on rigole ensemble. Donc quand on a fait les trois, ben, il est temps qu'ils s'en aillent pour aller régaler d'autres personnes dans d'autres restaurants. Le but c'est d'avancer ensemble. Ben, le but c'est de, au moins de se faire plaisir. Vous voyez, vous avez vu des maîtres restaurateurs aujourd'hui, on a tous fait la fête des pères. Aujourd'hui, on est arrivé juste, on est tous à la bourre, parce qu'aujourd'hui, dans nos restaurants... C'était la fête des pères. Ben, c'était la fête pour tout le monde, mais pour les pères, mais nous, on n'était pas en fête. Hein. Nous, c'était la fête, mais sur les casseroles, et je peux vous dire que là, ça rigole pas. Et ça, la fête des pères, c'est sacré, bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes ici donc aux Épicuriales. Vous êtes restaurateur, donc le résinier. Oui, ça. Le résinier. Alors, une belle maison que j'ai rachetée il y a 15 ans. Une maison qui a plus de 100 ans d'existence, où il y a eu 4 propriétaires. Ouais. Chacun ah oui, 100 ans d'existence. A plus de 100 ans d'existence. Moi, j'ai repris les actes de vente et il y a plus de 100 ans d'existence. Il y a 4 propriétaires, des gens qui ont bien fait des choses. Puis c'est une vieille dame que nous, depuis 15 ans, on y fait attention. Des vieilles pierres des Landes, vous savez, en alliose, donc il a fallu refaire les joints, des fois il y a des fuites. Ben, petit à petit, on a fait en sorte que cette maison rentre dans une ère moderne. Ouais. Et je pense que moi, dans 100 ans, vous ne serez plus là, moi non plus. Ah ouais. Peut-être nos petits-enfants. C'est ça. Et j'espère que nos petits-enfants diront j'avais mon grand-père qui m'a amené, ou mon père qui m'a amené manger au résinier. Ouais. Et moi, j'y viens avec grand plaisir. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a une âme là-bas. Ah oui, je vous promets, il y a une âme et nous on le voit parce que depuis 16 ans, maintenant j'ai des nouveaux clients qui sont les petits-enfants de mes premiers clients il y a 15 ans et un père de famille m'appelle l'autre jour et me dit « Dis-moi Christophe, fais attention, il y a Sophie qui vient, elle vient avec son premier copain, elle vient chez toi. » Et moi je l'ai connue toute petite, je lui ai fait manger du foie gras, du magret et je peux vous dire que ça fait plaisir quand elle est jeune fille, elle revient avec son premier amoureux. Manger mon canard, donc je vous dis, je suis fier déjà, et puis je dis, t'inquiète pas, un verre, mais elle n'en aura pas plus. Hein. C'est excellent, c'est super, en tout cas, je vois que vous parlez de votre métier avec passion, je crois que les maîtres restaurateurs, c'est ça, ce sont des passionnés. Donc ce soir, vous allez découvrir, vous connaissez Thierry Vera. Oui, bien sûr. Hein, vous allez déguster ses plats, vous aimez aussi ça, échanger avec les chefs justement sur leur cuisine et regarder travailler. Alors, échanger avec les étoilés, parce que nous, on est des étoiles filantes. Ouais. Eux, c'est des têtes de gondole, les étoilés qui nous font rêver, qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune à l'école hôtelière, qui me font un peu moins rêver parce que maintenant moi j'ai mon outil à faire développer, j'ai 30 personnes donc aujourd'hui les étoiles me font moins rêver mais on a toujours un livre de chevet avec des étoilés, on donne toujours la bonne cause à nos enfants, moi j'appelle mes apprentis c'est mes enfants pour qu'ils regardent l'excellence. Et je dis, regarde l'excellence, regarde où on en est, regarde le chemin que tu as à parcourir pour arriver à l'excellence. Et quand tu seras à l'excellence, tu seras peut-être jamais un étoilé, mais si tu y es, ben moi je serai un peu fier pour toi et pour moi. Bravo. Bon. Merci d'être venu sur le plateau. Eh ben merci, bonne soirée. Et ici aux Étoiles d'Épicure.